Papoteur et vapoteuse, bonsoir, ça survape encore. Merci de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo, donc qui traitera d'un arôme. Un arôme de chez Vapmisty, donc l'arôme fraise. Donc ça se présente dans des petites fioles en verre comme ça, hein, avec le nom de la société, l'adresse, le numéro du lot, quand ça expire. Voilà toutes les informations qu'on peut retrouver et le nom de l'arôme, donc là pour le coup fraise, donc que je vais tester sur mon KTS avec mon Eagle modifié. Donc pour l'odeur, ça fait très fraise bonbon, un peu ces bonbons à une époque qu'on pouvait retrouver dans des tout petits sachets individuels et qui avaient une spirale de couleur dessus qui était un peu crémeux. Donc à l'odeur, ça me fait penser un petit peu à ces bonbons-là. Donc pour la vape. Au goût, un arôme fraise bonbon. Un petit peu bonbon, ouais. Donc, c'est pas tout à fait ma vape, les arômes bonbons. Donc je suis pas sur une fraise-fraise. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir un fruit, donc c'est pas tout à fait ma vape, mais c'est pas mauvais pour celui qui aime le côté un peu bonbon, même si c'est pas particulièrement sucré en goût, c'est pas désagréable, mais c'est pas ma vape. Faut des choses sur un peu fraise bonbon, on se fait pas assez fraise naturelle pour moi. Certains m'ont dit qu'ils retrouvent aussi un petit peu le goût de la fraise Tagada dedans, donc après les ressentis sont divers et variés selon les individus, car encore une fois, le goût reste subjectif, c'est vraiment propre à chacun. Donc voilà, il traîne un petit peu en bouche mais pas trop, je le retrouve un petit peu en nez. Alors je l'ai dosé à 10%, donc je ne l'ai pas surdosé non plus, je fais en sorte de ne pas trop les doser pour les tests. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cet arôme. Il est pas mauvais, mais pour moi je suis pas sur une fraise fraise. Et apparemment bientôt, ce que je peux comprendre, il va y avoir un arôme fraise naturel qui va arriver. Donc j'espère que je me suis pas trompé. Bon, je vais me faire taper sur les doigts. Voilà. Bah, je vous remercie pour avoir suivi mon ressenti sur cet arôme. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente vape. À très bientôt.